Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ma précédente vidéo, j'avais installé la dernière version de LibreOffice et comme j'ai l'habitude d'épingler les applications que j'ai l'habitude d'utiliser fréquemment, donc ici par exemple capture écran, outil de capture écran, voilà, c'est juste ça me permet de les lancer. GIMP, là du coup on les a plus. Donc pour épingler, si vous l'avez jamais fait, il suffit simplement d'ouvrir un fichier. Lorsque vous ouvrez par exemple LibreOffice Writer, il va s'ouvrir ici. Je fais un clic au bouton droit de la souris et je lui demande d'épingler dans la barre des tâches. Et normalement, à prochaine ouverture, il devrait se faire. Et du coup, comme autre module, j'ai classeur. Là, il s'ouvre. Clic bouton droit de la souris, j'épingle. Outil à dessin. Voilà, LibreOffice Draw, un clic droit, voilà, il est épinglé. LibreOffice Calc, le dernier que j'ai l'habitude d'utiliser, présentation, j'épingle. LibreOffice Impress. Voilà. Alors, le souci que vous pouvez avoir des documents que vous utilisez souvent, là, du coup, il faudra peut-être que je relance, par exemple, suivi des dépenses, que je relance certains fichiers que j'ai couramment l'habitude d'utiliser pour qu'après on puisse épingler justement chaque fichier couramment utilisé et comme ça là par exemple si j'épingle hyperlien quand je clique il sera présent et je pourrais le relancer et le retrouver rapidement. Alors je vois que les icônes sont tout blancs, je suppose que après un redémarrage ça va revenir. Tiens, on va essayer et on va voir après le redémarrage de Windows si ça revient. Donc après redémarrage de Windows, on retrouve nos icônes. Donc c'est un peu mieux que tout à l'heure. Alors je démarre ce compteur parce que j'ai cliqué sur LibreOffice Writer et on va voir que ça va prendre un certain temps. C'est la deuxième partie de cette vidéo. C'est pour vous montrer que lorsqu'on n'a pas coché la petite case charger LibreOffice lorsque le système donc Windows démarre. Vous avez, lors du premier lancement, un certain temps pour que ça s'ouvre. Donc je vais accélérer la vidéo pour qu'on voit rapidement combien de temps ça prend. Et après, on va relancer à nouveau LibreOffice Writer. Vous allez voir que ça va prendre beaucoup moins de temps. Et la raison est très simple. Je vais vous l'expliquer si vous souhaitez cette option. Alors là, le compteur va s'accélérer. Bien sûr, on est à 1 minute et quelques secondes. Là, c'est 2 minutes. Vous voyez, et là, on est déjà bientôt presque à 3 minutes. Et voilà, donc 2 minutes 59 pour que ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce que on retient? C'est vraiment trop long. Alors, à vous de voir par rapport à l'ordinateur que vous avez, par rapport au système d'exploitation que vous avez, si vous optez pour cette option. Je vous montre comment on peut y remédier. Donc, comme je n'ai pas coché la case chargé au redémarrage LibreOffice, il prend un certain temps lorsqu'on lance la première fois. Alors, si je le ferme, on va le relancer à nouveau. On va voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc là, LibreOffice Writer. Et donc là, je vais cliquer pour démarrer le petit compteur et voir en combien de secondes, cette fois-ci, vous allez voir la différence avec un deuxième lancement. Donc là, on est à 6 secondes. Presque 7, et tout à l'heure on était à 2 minutes 59, presque 3 minutes. Voilà, la deuxième fois il est beaucoup plus rapide. Voilà, c'était pas prévu de montrer ça, mais juste pour info, c'est un élément à savoir. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas coché la bonne case au début de l'installation, vous pouvez aller en ouvrant LibreOffice Writer par exemple, outils, options, et vous recherchez, alors si c'est replier comme ça LibreOffice, vous décochez, alors vous ne faites pas avoir hein, si c'est comme ça déjà, vous remontez et vous retrouvez donc LibreOffice général et vous avez démarrage rapide de LibreOffice, charger LibreOffice lors du démarrage du système. Alors ça veut dire qu'en cochant cette petite case, vous allez avoir votre démarrage de Windows qui sera encore plus lent. Donc moi je décoche, c'est à vous de voir hein, ce que vous préférez. Si vous préférez avoir un démarrage qui est un peu plus ralenti, alors ça dépend des machines. La mienne
Elle date de 2012, donc je l'ai encore 12 ans après. Donc c'est à vous de voir. Et après, vous validez. Et puis comme ça, quel que soit votre choix, vous aurez comme ça LibreOffice un peu plus rapidement ouvert. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ces deux points vous a été utile. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur LibreOffice, GIMP ou Gmeek.